Good morning. Allez, Iden, et tu seras aujourd'hui le Lunishmat Avraham, Mordechai Ben Yisraël, Bifani, David Ben Fortuna, Mazal Fritna, et Dvora Bat Esther, et Allegria Bat Sol Ben Susan, le Bet Vanish. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions Masechet Nedarim, Perek Gimel, Mishnah Bet, Nidrei Havai, Amar Konam, Imlo Raiti Kederech, Baderech Haze Kiyos Emitzraim, Imlo Raiti Nachash Kikorat Bet Habad, Nidresh Gagot, Imlo Achalti, Veim Shatiti, ונזכר שאכל ושתה, אם אכלתי ואם שתיתי, ונזכר שאכל ושתה. שאני אוכל ושאני שותה ושכח ואכל ושתה. אמר קונם אשתי נהנית לי שגנבה את כיסי ושהכתה את בני, ונודע שלא יכתו ונודע שלא גנבתו. ראה אותן אוכלים תאנים ואמר, הרי אין לכם קורבן ונמצאו אבי ואחיו ואחיו, והיו עמהן אחרים, בית שמאי אומרים, הן מותרין ואומה שאימהן אסורין, ובית הלל אומרים, אלו ואלו מותרין. On avait introduit dans la mishnah précédente l'histoire des quatre nedarim שהתירו חכמים, quatre sortes de nedarim que חכמים ont dit qu'ils sont permis a posteriori, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de, si tu as prononcé un neder pareil, tu n'as pas besoin d'aller de voir un chacham pour qu'il te le permette, parce que le neder, il n'a pas eu d'emprise, il n'a pas, pas été appliqué. Maintenant, un point important, c'est que c'est quand même interdit de le faire, ça a porté là-bas dans le Tiferet Israël, au début de la Mishnah Aleph. Concrètement, le principe, il est comme ça, interdit de le faire, que on parle en fait que des gens qui, de manière générale, et Adam qui shava, il y a marqué là-bas, c'est dit sur la joie, mais ça s'applique aussi sur le Nedarim. Lorsqu'un homme jurera, la Gemara apprend que lorsque tu jures pour transgresser l'interdit de Shavuot et de Nedarim, il faut être un Adam, un Bardat, chez Yelibo Alav, la Gemara dit, qu'il soit bien, qu'il sache ce qu'il fait. Si jamais je me trompe, au moment où je prononce le Neder, je suis à côté de la plaque, je n'ai pas d'intention dans ce que je dis, il n'y a pas de Neder qui a une emprise. D'accord? On va voir encore plusieurs cas. Maintenant, on avait déjà commencé à voir dans la Mishnah précédente les Nidrei Zruzin, quelqu'un qui fait un neder parce qu'il va faire du business, il veut que l'autre lui vende le prix. Il dit, il dit pas je te jure, mais ça vient même, on apprend dans la Mishnah d'Alet, Bertanois conclura en disant qu'il n'y a pas de différence pour la plupart d'Alachot entre les Shvuot et les Nedarim. Mais en tout cas, il dit, si moi je paye ce prix-là, et si je paye un rond de plus, je mange plus des pommes toute ma vie. Et en fait, après, il a payé plus. On dit que le Neder n'a pas eu d'emprise parce qu'il n'a pas été appliqué. Parce qu'on sait très bien qu'il n'avait pas l'intention réellement qu'il lui baisse le prix comme il l'espérait. C'est une manière de parler. Et puisqu'il n'a pas d'intention dans ce qu'il dit, alors il n'y a pas de Neder qui s'applique. Maintenant, on découvre encore une nouvelle sorte. Ça s'appelle des Nidrei Havaï. Un Neder de. Je dirais. Je ne connais pas la traduction exacte du mot Havaï. Mais c'est une manière de dire de. Il y a des gens qui aiment bien en dire trop. D'accord? On a un néder vide de sens qui n'est pas appliqué, que quoi? Amar konam imlo ra'iti baderech haze ke yotzei mitzrayim. Il a fait. Il est parti voir son copain. C'est le Mishnah, je vous ai dit, le Mishnah des Marseillais. Ouais, je ne sais pas pourquoi on dit que les Marseillais ils sont comme ça, j'ai aucune idée. Qu'ils aiment bien parler, j'ai vu une anguille comme ça, et je sais pas quoi. En tout cas, il y a Amar Konam, Imlo Raiti Bader Khazé. Je fais un neder que je mange rien aujourd'hui si j'ai pas vu Bader Khazé sur la route en venant chez toi. Keyos et Mitzrayim, comme ceux qui sont sortis d'Égypte. 600 000 hommes. Genre, en fait, j'ai rejeté, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a en bas? Il y a une manifestation, il y a des milliers de gens. Des milliers, ouais, il y a des milliers, au moins comme des Yotzei Mitzrayim. Non, exempta, t'abuses. Alors je lui dis, non, tu sais quoi, je te promets, crois-moi, sinon j'ai interdit tous les fruits du monde. Pendant 2 jours, si jamais, c'est pas vrai ce que je dis, qu'il y avait des gens aussi nombreux que ceux qui sont sortis d'Égypte. Alors là, on sait très bien que lorsqu'il parle de la sorte, qu'il n'a pas du tout d'intention, il veut dire qu'il y avait beaucoup de monde. Seulement, il parle de manière très large, alors il raconte des trucs, mais... Et donc du coup, il ne s'est pas engagé avec sa parole. De même aussi, Imlo Raiti Nachash Kekorat Betabad. Je te fais aller. Je m'interdis tous les fruits du monde si tu ne me crois pas que j'ai vu un serpent épais comme la poutre du pressoir. Ouais, le pressoir là où on presse les olives. Il fallait mettre une grosse poutre. J'ai vu un serpent gigantesque comme ça. Ça s'appelle des Nidravai. Des Nedarim de belles paroles qui ont pas de qu'on sait très bien qu'il n'a pas d'intention dans ce qu'il dit.
Il a peut-être une intention de convaincre l'autre. Mais voilà. Encore, Nidrej, maintenant, on passe à une nouvelle sorte. C'est les Nidrej Gagot. Quelqu'un qui fait un Neder, mais Bish Gaga. Il s'est trompé. Comme ce qu'on va voir, il est fâché, ou il est contrarié, ou là, quoi que ce soit. Après, on lui dit non, mais il n'y avait rien du tout, il n'y avait pas lieu de s'énerver. Comme par exemple, Imachalti veim shatiti ve nizkar shachal. Le problème, on est juste Nidrej Gagot, c'est qu'il s'est trompé. Il raconte à quelqu'un, il lui dit, et je te promets que j'ai pas encore mangé aujourd'hui depuis ce matin. Au moment où il parle, il est sérieux qu'il n'a pas mangé. Il pense réellement qu'il n'a pas mangé. Et il prononce un éder ou même une joie en s'interdisant des choses. Et puis après, 20 minutes après, il dit, mais bien sûr, j'avais mangé un croissant. Alors du coup, est-ce que le neder est khal? 60 dit non, t'étais pas Adam Bijevoua, comme ce qu'on avait dit. T'avais pas la tête sur les épaules au moment où t'as parlé. Tu t'es pas engagé par ton éder. Donc il a pas appliqué. Ou bien encore, She'ani Ochel, Veshani Shoté. Encore, il a dit, il était au régime, par exemple. Et il a dit, il était tenté par du chocolat. Il a dit, si je me mange un quart au chocolat, je m'interdis de manger pendant un jour, pendant 2 jours. Donc il a prononcé maintenant un nouveau néder, que si jamais il mange le quart au chocolat, ça lui implique 2 jours qu'il ne pourra plus manger. Pour le moment, il n'y a pas de néder. Dès qu'il va manger le quart au chocolat, normalement, le néder va s'appliquer que dès lors, le lendemain matin, il devra commencer à jeûner. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'après, il a oublié, il était à autre chose, et puis après, il a mangé le quart au chocolat, une fois qu'il l'a déjà bien avalé, il se dit, oh là là, j'ai pas le droit de le manger. Alors, de nouveau, tu n'avais pas d'intention au moment où le néder était censé être appliqué, applicable, appliqué, eh bien, il n'a pas été appliqué, d'accord? Il n'a pas été khal. J'ai pas de traduction exacte pour me dire c'est quoi qui fait une khalot qui tombe. Encore. Ah, ou bien encore, il a dit, ou encore, Amar Konamishti Nenetli, ma femme, qu'elle profite pas de moi pendant 2 jours parce que chez Ganvait, qui si, elle a volé mon argent, je cherche mon argent de partout, je sais que c'est ma femme qui l'a volé, je suis persuadé, et du coup, je dis, tu profiteras pas de moi pendant 2 jours parce que tu m'as volé ma. Tu m'as pris ma. Tu m'as rangé ma sacoche. Ou encore, Cheikhta et béni, qu'elle a mis une claque à mon fils. Ouais, c'était fréquent à l'époque où il y avait plusieurs femmes. Des fois, il y avait mes enfants d'une femme qui traîne dans la maison de l'autre, et l'autre, elle s'est fâchée, elle lui a envoyé une tarte. Alors quoi? Ouais, tu. Profite pas de moi que tu te permets de lever la main sur mon fils. Et après coup, je réalise que je me suis trompé. Elle a rien volé, c'était moi qui l'avais amené ailleurs. Il n'a pas mis de claque parce qu'il n'a pas reçu de claque du tout. Il a même reçu un bonbon. Alors quoi? Et après, on apprend, on réalise qu'en fait, il n'y avait ni l'odubim vloyar. Or, c'est une expression, on va pas. Il n'y avait rien du tout, il n'y avait rien de toute son histoire. Ou encore, donc le neder, il n'est pas engagé par son neder parce qu'il s'est trompé. Il était conscient d'interdire sa femme parce qu'elle a fait une crasse qu'elle ne lui a pas fait, donc il n'a pas interdit à sa femme. Ou encore, il y a encore un autre cas. Raotan Ochlin Te'enim. Il était en train d'arriver chez lui et du coup, il voit de loin, là, dans son verger, là, un groupe de gens, le club du bridge du quatrième âge, qui est parti en train de cuire des fruits. Et il commence à dire, hé, qu'est-ce que vous touchez à mes fruits là-bas, là, à mes Te'enim? Raotan Ochlin Te'enim. Il les a vus qu'ils étaient en train de manger des figues. Et il leur a crié, Vamar Alechem, Vamar Alechem Korban. Je vous les interdis, ils sont tous comme un corban pour vous. C'est-à-dire que j'ai prononcé qu'un éder, vous n'aurez pas le droit de manger toutes ces figues. Et en se rapprochant, il réalise qu'en fait, le club du quatrième âge, c'est son papa. Il était venu avec tous les copains du club. Et quoi? Et Raotan Ochlin, Tenim, Vamar, Aré Alechem Korban, Venim Tseouavi, Veachav. Il avait quand il était avec un groupe avec son père et son frère. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'avait pas l'intention d'interdire son frère, c'est certain, ni son père. Si c'était des étrangers, alors là, il est fâché. S'il voit que c'est son père, alors il est d'accord. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que son père et tout le club. 15 personnes. Parmi ça, il a prononcé un éder général sur tout le club. Il y en a deux, en fait, son père et son frère, qu'il les exclut quand en réalité, il n'avait pas l'intention de les interdire. Qu'est-ce qu'on fait avec le reste? Alors, sur ça, on a une machloket. Bet Shamayomrim, Are, Hen, Mutarin, Mashéima, En, Asurin, eux-mêmes, le père et le frère, puisqu'elle n'avait pas l'intention de les interdire, ils sont pas interdits. Mais le reste, ils sont quand même interdits parce qu'elle a prononcé le neder. Tandis que au Beth Hillel Omrim, Beth Hillel disent non, et l'ouvre l'omotarine, tout devient permis parce qu'on a une règle. Que neder, shutarmi ktsato, utarmi kulo, parce que ton neder que tu prononces, c'est une entité. Si jamais tu la supprimes un petit peu,
Allez voir un chacham pour qu'il annule un éder, ou bien quand on va prouver que tu as annulé ton éder, ça signifie qu'il n'y avait rien. Donc ce que tu as parlé, c'était une fausse phrase. C'est une phrase qui n'était pas cohérente avec ce que tu voulais faire. Tu voulais plus faire, tu voulais pas faire ton interdit. Donc ta phrase, elle n'a rien interdit, et même tout le monde est permis de manger les fruits. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov.